Yo, télévision direct cette petite du peu nous parlons mieux de Benami et bien mieux gavado mieux peu attiré et bien peu quelque a mieux à idée la messe peu n'y a dit la messe et n'y a nous il avait fait des et bien les bien peu quelque mais et nous y a du miel les et nous y a non miel les et y a une tante grand bon miel les et ouais bien mieux peu la messe peu n'y a au on va aller une photo de Benami que direct cette et de que dit ben il va t'en nommer à les émissions mi sera nous yame les wa apon fo namito dolele adonti et dolele mole que mi a trois si le onti bena ne mi maleo et yene mi le hande le ke mi a wo ne la messe ne wa sou merci mi a notre fum ai agbova et ya e mi a pe direct cette pe direction bon pe achonami e bele mi a pe émission mais et ya ta les dodomanois mi a pe apeto docteur Nefabiel, et phytothérapeute, il y a Amassi, Amassi, voilà, Amassi, voilà, oui, mon Dieu, nous mentis, il y a et puis voilà, après toi, il y a raison. Yo, il n'y a pas pour mettre de vieux, Dono, tu en fais un peu, après, on a pris de vieux, quelqu'un, Mauta, yo, il n'y a pas de vieux, Améo, Michel, Sronan, les bien beaux, tu en fais un peu, ah, et bien, il y a la tiaté, il y a la tiaté. Et nous avons gloré, ne à mon sobre, ou bien me cagne yon boto à l'eau bonne année. Ne veut pas l'eau quoi. Et ne y boire quoi. Yamena, yata y miele, la messe peut nommer yon bon an mon bois, et à table. Ma caribe n'y a rien à nommer, si la brona n'a pas dit pour la fin à toi. Eh, ah oui. Tonton bon enfant. Nico a donné déjà longtemps, donc est venu un bon enfant. Donc ma ou mon popo ya ne ma do akpe gan maniak blonde na direct set pe tato pou don o kikim puisque mi le blond la me se venya ne om le la me se o matin ve diga om le la me se o matin won ne pepo wane gbeme direct set na mi mon popo bi mi a pompo so la me se venya nti ne e miabe didi pe pon lawa ni wa no la mesi mea e akpe gare po miaduna direct set de be tato vevere donc a nyake la signe kengwe ni mia yi miabe tanyadia ile ni akpe gana direct set be etato lo veve toa deja mdo akpe nelo yo mia to e adi ni mia ado akpe manya blona mia pe didi pe pon lawa ame yo kata onona et il a dit qu'il y a gamin et le bon ami a peu on a eu au fond à nous pour et au don à nous c'est bien Michel mon papa et à son dos à peine à autant nous sommes dans l'émission apprenons aujourd'hui nous sommes dans le siège de la santé comment nous devons prendre soin de notre santé c'est ça le thème que nous allons débattre avec le docteur Nefabiel il est tradithérapeute donc phytothérapeute donc aujourd'hui il y a certaines maladies et qui, si nous mal gérons, cela ça conduit à des destructions. Voilà. Vous confirmez ceci? Je confirme. Donc, je confirme. Puisque nous avons vu, Mikpo, c'est dolé le dos, et gbemia, et soubola la mégan honti, qui est dolé le roi, comme les bine ao, comme l'incourintio, et on néglige les kémia blendo. Donc là on met les coups de mou on le soit sirin tio kabawa on la pour ne même moi et brina mi kaka quoi et adaka me ko ibi la yo do me ibi la ve do donc a mi amagba ba na nyima ju donc a mi abe ta ji do no li nyibe mi anyo mi abe to ji no lao mi abe ji be mu ji pe nu polo ku su su be ne ne be nu ya wa nyale ke wa ti ti kaba ne 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 be do le le ami a wati de kampako sung baba hen bliva ameriba gbebe yo ke nyama gomani be dole pour mes vieux vo voyez blomier nyebe edoro ke ne me trois sile petit kabo quoi ke avagere ada kame et direct cette soirée ro ko jibe egbea yo on so 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 ke ni amti be ameyo onti don yi edo anona morentia o menyana o menyana be dole egbea mi anyo le sosu ya no be ne et au port manifestation quoi on y avait doyé et il y a une ouate à trois cils au recondiqué mais les gamins me disent bon le doka pour ma vie ou les noms plutôt que ne me tourne un petit cabot quoi et vous que avant de fournir ok akbe et il n'est pas déjà fourni ou à n'est mis sur ces dollars avec diabète
souk le vivi bedo ke ye vana neva c'est une émission c'est mi abe kondi et c'est les que médecine moderne c'est à dire et au confirmer ibe ni atique mle non traitement à vie et gonyi bo la non atique kakaka sona o kubi diabète atique kakaka le ade de nene yo na miyan oui ya nemi jo le founoa mi agba so ebe to vide ke o rambe tension artérielle il est nié à miabe ça y pression que allons cinq et nous sommes ranalé l'amia ne au bon cas mi le bon la me vide y miabe au bon cas ami que ton abe et les trois pression ne nettoie et sinon on sait que nous sommes rana et sinon et ouais ne ben on hot tension l'amia tension là nous dit ne ne ben do et ton pot doudou la média ne on tite kabawa et va renan de que on be accident et c'est vasculaire cérébral. Vasculaire cérébral. Alors, il y a un maillot, il y a AVC. Eva, il AVC. Il y a un AVC, il y a un AVC. 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 Des cas vidéo et le blanc. Et toi, tu, vous avez déjà parlé de, du diabète. Voilà. Aujourd'hui, c'est d'actualité. Hein? C'est d'actualité. Partout. Voilà. Maintenant, dites-moi, en réalité, qu'est-ce qui cause vraiment le diabète? Voilà, merci. Et diabète, on définit dans un premier temps, c'est une augmentation du sucre de façon anormale dans le sang, dans l'organisme. Docteur, entre-temps, je prends le temps de nos grands-parents. Voilà. Mais ils consommaient les sucres que nous consommons aujourd'hui. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui ça a pris d'ampleur? Voilà. Quel type de sucre dont on parle? Merci. Au point, c'est sans les blémas, sans dans les anciens temps, nos parents consommaient sucre, mais la façon dont ils consommaient sucre, c'est différent de comment nous on consomme aujourd'hui. Nos parents de les uns ne sont pas accros au pain. Au pain. C'est-à-dire, nous boubons les. Attends, j'aime les gammes. Mais les gammes. Je suis à Ekbia, Miamidia doit qu'on a souclé les mi. Et Oja nous au bon, souclé les mi. Nous ne pouvons que Oja doit souclé les mi. Donc, et Obe. N'est-ce pas, Gano, Hajin, Abeyan, souclé les mi. Au pain. Ah, Haki, Ekbia. On y avait challenge, Olea. Tu sais, mes vies, Améla, il a nous sauvé nos vies. Tout est novinti et il a quoi tu pas ameni améo t'es trop souvent on le pocan on le pocan les à tu pas au bon voilà donc il est au locu donc à au point miable et bia aujourd'hui donc à notre façon de consommer de boire de manger fait que diabète n'est nettoie au bout ampleur sans donc voilà et son boubou. Amérique blona menari kabe a hamenya ye blona diabète menyama amérique tonan be e kwa obe Guinness voilà e kwa ele ko venama amosone bo be voilà mi va ire nous so sero mo ko benari so kile Guinness me ko pompon nya te be benari c'est ora ko be a hadoa o gbon be consommer au frais ni be fa o mja senti sucre lim o no mi so coca cola bo fifia coca cola le frère non le nous manyame sur plus sous bolem ça dit comme au bon diabète Guinness ni un il est un exemple na Coca Cola ya ah elle a benami un peu dit pe nous pas là au dit ni problème nous yo 1000 nous yo 2000 ble et ya yo bon 1000 ou les deux dormi diabète a amro nyabe non le a tout pas Guinness toi vous be sucre sous bolem comme un cocktail de fruits et na ma bien mi amé yo ito nous nyame quoi eh il est blanc benade et sous clé les mains voir que ennemi le nuit et vena mais quoi ne ben c'est ben sous clé les mains un petit bébé non et nous la tin veut voir sous clé puisque nous ben nous la tin didi pora on la tin didi pora donc nous didi Guinness quoi sous clé les mains Coca Cola mi avait a vu ben voir sous clé les mains et sous bon OK là Fifia, egbe me king bo wa sami mio, egbe me king bo leke do vale yidoa, amuro vale wa akonta.
kwabo a ha komi le nuari vale wa konta va le kwabo yo soukle wu komi le zain opera donc a ewo emi do la jaye puisque e do abone o vane la joa e do na mpo wa nemi jaye le mi abe ngudu me komi le nuwa e la nabe mi la kwa agbe vire lati ma blaro e ko le kere mi pobe le mi ape José Jaume o desebe nyaganu alcool be mi anonu a viviare kafla a vivi so boma nonore e ngama te va temire alone diabeta va Jesus Christ la va de au e wa nyawe donc a Nemi la nous avec modération. Opéra, mi ma sordo dobe, c'est parce que mi un alcool, mi la nous avions bien tiré, mi la nous sous bonon. Et nous, on les blé et nous les. Ah, mais c'est un ami. Donc, vive toi, mi a y et doit aller là aussi. Et y a mi la nato pour nous, mi a be et tout dit non là, pour se souver, watim. A son nou vide wa plan nou vide lwa me a son rewa bagbe a son po abe la me se me yakbo e le vive de nam do puisque mon popo a ke direct set nami be mi a pompo so la me sentia e ya be mi la exploiter mi nou la exploiter e periodia ou sou moment ya ou sou ba ten devina et tout jinon la Yo, Emile Mpoma, on avait parlé aussi de tension. C'est à taga ta vie. Doyo le va via. Tension artérielle. Allez que voilà tout. Asra, allez là. Mettez-le. On va mettre du plutôt. Mais d'abord, Benade, il y a ton bouche là. Zimi à Kodunasa. Quel est Joe? Qu'est-ce qui se passe? Et que maintenant, la consommation de ces huiles devienne une source de maladie? Au point, il y a tout un TP. Amido, il y a deux gens qui sont les plus là. C'est bien sûr les dames. Namia, mamie, ton toyo. Vraiment, le nom de c'est homologué. Mais au point, il y a des gens qui sont là. Mais au plan, on dit, mais pas bien, mais on l'a dit. On a dit que Amio a dit que Pépé va marcher ailleurs. Au point, au point, va fouler. Que on la foutu copier ne quoi la sorte de nous a organisation on les démantèle c'est que nous a faux que article au retient faux les et nous a ami alors mon lui au qui mis le bouton faux les mais ne peut pas contrefaçon les gens et que mes amis a dû appena et mia fofo mia novi chinois obé ou les facilités vinami voir et mes guerres mes bouba les fonds quoi au bas c'est au la sort au bas sort mon loup hein au va d'où n'est benoît au la dati et foi et le problème va au quoi là amiria et une pour la chaka quoi la sonne d'amis la sorte doit marcher à dit mais dans le plus mon bagna mieux un bagna mine tonto mille doulé ou amia tobo homme vivre non ne on tozinane on to e danamia enemi on so daro so dikaka wa de amige ami ba si o ye ni wa pe o pe ra on to ele daba mi cholesterol mele na meno na mamu no sa di ele moins o pe ra ele moins mena e ke o le wa fifia ko lo soro sai no lu fifia e sa di alone o so kore a finito ne e noa e le ko e wo plaka o la po et nous hédi et blana les nous dit et nous les adore il va blana vous ami et blana vous ami il va mater asra asra donc à les mila comme les bois les nabi c'est ça sera bien mila tension artérielle force allons 5 et moi ça journalé nabi on quand mes vaisseaux mais les lydia cause les nibenka les parois puisque parois fi ko betuna les toi ou les mio o le mio c'est au pomme nemi le sucre fifia mi dona forme svelte ça dit mi mpona la meka ko wa nayi o to do to ngudwa mi pona la me wa comme mi le odo galemia sia mi gbono me ni pepe mi la dui on sait ce n'est pas normal ne o to do po ga o le du mo la contrôler ngudwa puisque ko nko le du fifia e do nyina e laisser na toxine acide ku to do menami fifia nenyi bi nene bi mu oleyi graisse autant le développer en la pobe paroi alors les vaisseaux o miona fifia e mo sala nyori sans le voir que va les mion et les mion et les mion ne mo la va ya even na ku a dans ku difficulté funu e tension artérielle est montée dans les mion fifia et mia bi dokita
c'est médecine moderne les blancs et donc ta gangawa nénibé nénébé nous ton vava ou bien tension te on la mettre sous produit opéra on la moulantique là il faut penser chaque jour opéra quand on parle d'un traitement ça y est ça part d'un point A à un point B et un traitement non quoi le blanc là à vie à ce n'est pas un traitement Au Guéra. Ça devient quoi? Et trois jours, esclavage. Au Tadi. Natikea. Atikea. Kourenou ke onto, et c'est vivina de vous. On va à Renavanao. Et au Razon, couvina Atikea. Atikea. Donc, or, normalement, au Dula, Jagbagba, c'est les Egbe, et c'est Miabe domaine, ma panifia. C'est nous, nous, comme c'est ce où Ebe, mille Jagbagbabo. Nibe, nenebe doleva, mille conseiller patient be. Ça dit mila a dit a tiki alum ke latina bi wa klo e hume e hume koklo me klo menye anu a tiki agbea anu ni kaka batsa no, 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 no. Ke o dola klo puisque ne a tiki okwa a tiki ro le ke wa te kona ko a klo fo ameya ele fifia ke ngoma ifu na re mila ko a tiki ke yo o nwe na namia alu nwe na namia tobe ola no a via ne ne batika ro le nwe kaka penadoa nke wono Ati kan gba fa wana to. Odula gba fa e po dokita ki. O la trop doli ati. Mo organism je ko ati gba. Organize bo ngba le do je hono kwi. Sa e ke nye be nemi ona nu ya. Wa no le nu kaka e pe na de gba. E ati kan gba na to. O la gba trop doli ati ga. Wa normal dokita gan la bio be nke o ati kan gba le o to. E le nyi be nko. Mi o mi le ku e be e hun mi abe pudi pudi na be. Ne e hun mi a pudi o sati ki de mi. Ma o e be do. Merci, nous sommes dans l'émission et apprenons et nous parlons de la santé. Nous allons marquer la première pause et nous retournons tout. Merci. Retour sur ce plateau avec le docteur Nefadiel, il est phytothérapeute. Nous sommes dans le SIA de la santé et nous sommes en train de parler de certaines maladies qui propulsent immédiatement les gens à la mort. Oui. Et nous étions bien sûr sur la tension artérielle. Merci beaucoup. Effectivement, j'étais en train de parler de la tension artérielle. J'expliquais un peu le mécanisme, les moyens par lesquels la tension artérielle commence à augmenter de fréquence. Voilà. Et quand on consomme les huiles industrielles, voilà, nous, on commence ou bien... C'est-à-dire du Nioto, par exemple. Et là, on n'est pas indécé, mais les huiles industrielles. Et voilà, les huiles industrielles que nous consommons, donc ça nous fait du mal. Parce que le cholestérol dans l'organisme commence à augmenter. Donc du coup, les parois des vaisseaux sanguins commencent à rétrécir. Donc du coup, la fluidité que le sang avait dans l'organisme, le sang n'a plus cette fluidité-là. Donc le sang se bat avant de circuler. Et en plus, ce que les autres choses que nous mangeons et dépose des dépôts, ça y est, comme des toxines, des trucs bizarres. Donc, ça fait que le sang est sale. Et pour passer aussi, c'est des difficultés. Donc, du coup, c'est normal que la tension artérielle augmente. C'est normal. Donc, docteur, oui. En temps, nous voyons nos frères et nos sœurs. Ils mangent de n'importe quoi, hein. Si, ils mangent de n'importe quoi. Et deux semaines, quittent le village pour venir en ville. Deux semaines. Ils deviennent obèses et on dit que non, c'est bon. C'est quand bon, tu vas, quand tu l'homme de rail. L'homme, c'est bon. Est-ce que bon, ça aussi, c'est. Non, ça aura des effets. Si. Non, quand tu prends du poids, hein, c'est quand bon, non? Tu prends du poids, c'est vrai, tu es joli, tu es apprécié, mais attention à la santé. Puisque ici, en temps, dans nos émissions, on a dit que la santé est la première richesse de l'homme. On doit prendre soin de ça. Donc, si tu commences à prendre du poids, alors. C'est pourquoi on conseille le sport. Le sport, c'est pour brûler les graisses. Les muscles brûlent les graisses. Des sucres réservent. Puisque les muscles, quand les muscles travaillent, ils consomment du sucre. Quand on fait du sport, ça brûle les graisses.
Donc, normalement, c'est une obligation pour quelqu'un qui commence à travailler, qui commence à prendre du poids, d'associer le sport à sa vie quotidienne. Donc, c'est une obligation. Mais c'est les contraintes du travail qui fait que on n'arrive pas à faire. Mais de temps en temps, il faut que une fois par semaine, les dimanches, les samedis, nous puissions aller courir. Donc ça nous fera du bien. Mais les gens disent qu'ils n'ont pas de temps, ils vont au boulot. Et... C'est ça. Moi-même, ça m'arrive. C'est vrai. Je me force des fois pour pouvoir le faire. Je me force pour pouvoir le faire. Mais... Donc c'est important que lorsqu'on commence à prendre du poids, comme vous venez de le dire, c'est bon, mais il faut se soucier de votre santé. Parce que en prenant du poids, quand vous allez devenir obèse, marcher est devenu difficile, respirer est devenu difficile, la circulation du sang a des problèmes, et plus tard aussi, c'est le diabète qui arrive. Mais l'autre maladie dont on a parlé tout à l'heure, AVC, là. Oui. Ben, les gens, bon, on entend les gens dire que c'est dû à des pensées. Quand tu penses trop, tu as du stress, etc., que ça amène à AVC. Bon, est-ce que c'est vérifié? Voilà, en partie. Les soucis quotidiens, le manque d'argent, les problèmes d'ici, de boulot ici, peut entraîner l'AVC, mais c'est en partie. Ce n'est pas une cause principale, mais c'est une cause secondaire. Une cause principale qui peut entraîner l'AVC, c'est lorsque la circulation du sang a commencé à avoir des problèmes. Après, ça peut créer du chaos, du sang, et maintenant le sang n'arrive pas à irriguer le cerveau. Puisque notre mobilité est contrôlée par le cerveau. Maintenant, le cerveau a besoin du sang pour travailler. Donc, si la tension artérielle commence à augmenter, maintenant, les toxines s'accumulent dans le sang, alors, après, quand un chaos qui bouche la circulation sanguine, alors, qu'est-ce qui arrive? Il devient sec. Ça devient sec et c'est un accident. C'est un accident. Et ça procure immédiatement la mort. Hein? Oui. Voilà. Si tu as chance, voilà. Tu as l'hémiplégie, c'est-à-dire tu as une partie. Si tu as chance, tu vis. Et maintenant, donc c'est, puisque chaque jour, nous sommes dans les activités, on court, mais ça ne va pas. Maintenant, si tu restes sur place, c'est grave. C'est grave. Donc c'est la raison pour laquelle il faudrait de temps en temps prendre soin de sa santé. Donc notre thème est la bienvenue. Comment devons prendre soin de notre santé. Voilà. Aujourd'hui, les gens me connaissent ce thème, hein, parce que tout le monde court pour aller faire ses affaires, etc. Et on me connaît le fait d'avoir pris soin de sa santé. Et c'est ça qui propulse beaucoup de personnes dans des difficultés. Si. Oui, tonton, bon enfant. Vous voyez, la vie, on ne doit pas... C'est vrai, c'est les besoins quotidiens et qui nous chassent et nous aussi nous chassons. Nous chassons l'argent. Maintenant, c'est bien. Maintenant, on suppose si vous n'avez pas de santé, vous ne pouvez pas chercher de l'argent. Bien sûr. Voilà. Donc, du coup, en cherchant de l'argent, il faut penser à notre santé. Au fait, pour le genre humain noir africain, nous n'anticipons pas les choses. Mmh. On attend que le mal arrive pour qu'on puisse traiter. Donc il n'y a pas de mesure préventive. C'est curatif. C'est curatif. Alors que nous n'avons pas de moyens pour curer. Donc c'est pourquoi ces gens d'émission, c'est pourquoi je continue à remercier Direct 7, que on partage ces gens. Ça va réveiller, même si c'est 2-3 personnes, notre objectif a été. Il faut que ces personnes soient réveillées, que leur santé est la première richesse. Donc ils doivent prendre soin de leur santé. En quoi faisant? C'est-à-dire en contrôlant leur alimentation. Parce que ce que nous buvons, les boissons, et il faut qu'il y ait de modération dans la consommation des boissons. Maintenant, en réalité, ceci nous amène... ça m'amène à te poser cette question. Bon, comment maintenant, en général, nous avons parlé de tension artérielle, nous avons parlé de AVC, nous avons parlé de diabète. Oui. Grosso modo, voilà. Ça dit les téléspectateurs qui nous regardent maintenant, oui. Dites-leur comment, en réalité, il faut prendre soin de sa santé. Voilà. Parce que je crois que tout le monde, les gens qui nous suivent maintenant, ont pris leur bic, oui. Et ils vont commencer par noter parce que c'est très important. Voilà. Comment prendre soin de sa santé? Voilà. Sinon, ça serait la partie essentielle et plus importante de notre émission, de notre causerie. Voilà. Pour prendre soin de la santé,
Voilà, il faut savoir que le sport est important. Le sport. Le sport. Voilà, donc une fois par semaine, il faut aller faire du jogging. Il faut courir. Voilà, en courant, les bienfaits, c'est que quoi? Les muscles consomment, brûlent le sucre en réserve dans notre organisme. Voilà, maintenant, faire du sport, ça brûle de la graisse en nous. Donc, du coup, les maladies qui conduisent à l'alitement, c'est-à-dire ici sur place, tu vas les éviter beaucoup en faisant du sport. Est-ce que vous voyez? Ça, en faisant ça, c'est prendre soin de sa santé. Maintenant, et ce que nous consommons, les boissons, que ce soit sucreries, alcool, on doit faire une modération. Même si possible, on doit trouver des remplaçants. Est-ce que l'alcool aussi, il y a du sucre dans l'alcool? Non, il n'y a pas du sucre dans l'alcool. Il n'y a pas du sucre dans l'alcool. Maintenant, l'abus aussi de l'alcool aussi ouais, est très nuisible quelque part. Maintenant, si nous pouvons, c'est-à-dire apprendre à faire des jus, des jus, c'est-à-dire combiner des jus naturels que nous allons faire et essayer de boire comme à la place de boisson, c'est bien. Quel jus? Jus de quoi, par exemple? Ils sont à l'écoute, hein? Ils sont à l'écoute. Jus d'orange. Oui. Il y a jus d'orange, il y a des jus de pomme. De pomme. Voilà, il y a des jus de mangue. Le problème est qu'aujourd'hui, on dit que tout est devenu chimique. Mais avec tout ça, ces jus, voilà, là, c'est difficile de trouver des... Voilà, il faut être artisanal, c'est-à-dire chez nous à la maison. Si madame a pris, ça n'est pas internet, on peut apprendre cette technique ouais, où ouais. on peut extraire les jus des mangues, des pommes. Voilà, c'est-à-dire madame peut faire ça. D'ailleurs, chaque week-end, si on veut rester à table, c'est madame qui prépare la boisson. Maintenant, quand madame prépare, elle ne va pas mettre du produit chimique dedans. Oui, bien sûr. Voilà, donc ça veut dire que... Mais faudrait-il qu'on lui rappelle ça, hein? Voilà. Sinon, qui vous dira dedans, hein? Donc, comme ça, ça veut dire qu'on consomme le naturel. Est-ce que vous voyez? Donc, ça va réduire les problèmes de maladie. Donc, c'est aussi prendre soin de sa santé. Maintenant, il faut comprendre que l'organisme fonctionne d'une manière. C'est-à-dire, à partir de 22 heures, le tube digestif, notre appareil digestif, est faible. Donc, du coup, on doit essayer de ne plus manger au-delà de 22 heures. Et surtout, des choses consistantes. Voilà. Maintenant, si on doit manger, il faut que ça soit léger. Maintenant, c'est au fait, le problème, c'est l'habitude. Si... On dit l'habitude, c'est une seconde nature. Voilà, on doit apprendre à changer nos habitudes. Donc, changer habitude, ça veut dire que si en temps, je mangeais tard, maintenant, je vais commencer à manger un peu plus tôt. Et en temps, je mangeais des choses, puisque c'est acme, la pâte, adémé, c'est ça que nous... C'est une contrainte pour certains. Il y a des gens, quand ils sont là, ils voudraient aimer manger très tôt, mais compte tenu de certaines contraintes, la personne qui doit te donner à manger... Mange 22 heures. Voilà. Donc, ça cause de problèmes aux autres. Je crois que par cette émission, les gens vont comprendre qu'il faut tout faire pour manger très tôt. Surtout le soir, les choses un peu légères. Légère. Pour permettre à notre tube digestif de bien fonctionner. Et puisque, vous voyez, le foie sécrète des hormones. Est-ce que vous voyez qui facilite la digestion. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si on mange des choses où la quantité, est-ce que vous voyez, la quantité d'hormones sécrétées par le foie n'arrive pas à digérer, donc ça fait que... Tu es constipé et tu as des problèmes à l'intérieur. Donc, c'est très important la santé. Donc, on doit commencer à prendre important à notre santé ces conseils que nous donnons, on doit prendre ça au sérieux afin que cela nous aide dans notre vie quotidienne. Voilà quelques conseils pour prendre soin de sa santé. D'autres auraient dit qu'il faut prendre aussi beaucoup de fruits. Voilà. Et les desserts. Les desserts. Puisqu'il y a des fruits. Est-ce que nous avons un dessert chez nous? Voilà. Est-ce que tu as trouvé à manger d'abord avant de parler de dessert? Donc le dessert est confondu à notre... Donc, ce que nous pouvons dire est que là aussi, on a de petits conseils à donner au niveau du dessert. Le système francophone part de dessert, ce qu'on prend, les fruits qu'on prend après
le repas. Oui. Voilà. Maintenant, le système anglophone dit le dessert, ça se mange avant les repas. Maintenant, l'expérience scientifique a montré que lorsqu'on prend le fruit après le repas, ça perturbe la digestion. Est-ce que vous voyez? Or, les fruits doivent être prendre avant le repas. Donc, voilà le petit conseil qu'on doit donner. Et ceux qui ont les moyens pour prendre les desserts, donc prenez avant les repas. Yo, je dois faire le mot de fin. La santé est la première richesse de l'homme. Alors, prenons-en soin. Tout court. Yo, direct cette peu dit peu nous voilà au bien dit après nous mibé nous nommé un petit le miapé ajedodo yamé le miapé ajedodo yamé ami pour nous poto miapé la messe un petit le que la messe à nos amis ne agbené ou à nos amis et miapé ami il me paye et pour nous poto et moi mes tanti et pour nous poto tension artérielle un petit et pour nous poto AVC blé et pour nous poto dans le levé yo y en a ben diabète un petit et y a Ouganda mon papa ami si ami nous y a nos doudou nous y a wo afi dans le moment thème akbo nous serait diwa abe ano kameting sport eble eble abe nianto ju combien nous allons monter plus tôt moi madame nianto nianto miao mi appelle ju ble a ti coûter teo le après mais ne mia ano nono quoi a carré maintenant mais ano a hakemi nous ano a hakemi nous atepe voilà hakemi nous atepe quoi ni d'accord nami ben miano miam ti le mi appelle eh yame eh mi a cardi ben ni aura ni tso et deleme abe yokata les tensions Preto pete pete dole ma me kardiba le mi ape ajedodo ya me a mesi ame akbo eto le me e la mesi aso a mesi a mesi e ye nye direct set pe didi nye to be mi ame yokata bona e direct set e ye mi kolona numi mi chona mi ape eni yodo nami e ye nye didi veto mi ano la mesi me afi mi ano nkobayi mi dakpe mi ape to dodo ta mi ale bena mi aroke bye bye.